m'appelle Audrey, je viens de Marseille. J'ai un site culinaire intitulé Les petits plaisirs de la vie que je tiens depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'y présente essentiellement des recettes sucrées, des recettes colorées. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une recette de glace, un sorbet aux fraises, qui sera accompagné de petits sablés. Donc, pour préparer ce sorbet, nous aurons besoin de 250 ml de lait entier, de 125 g de crème fraîche épaisse, de 75 g de sucre en poudre et 100 à 150 g de fraises séchées. Mais chez vous, vous pourrez agrémenter ce sorbet avec des abricots secs ou des figues ou des petits raisins blonds avec 2 cuillères à soupe de rhum. Alors pour commencer, on va découper les fraises déshydratées. Voilà, les fraises sont coupées. Je vais pouvoir les mélanger avec le lait. On mélange un tout petit peu et on laisse réhydrater les fraises une vingtaine de minutes au réfrigérateur. Voilà, les fraises ont été réhydratées pendant une vingtaine de minutes. Le lait s'est légèrement coloré de rose. Maintenant, je vais pouvoir ajouter mes autres ingrédients. La crème fraîche. Et le sucre. On mélange. Voilà, la préparation de la glace est prête. Il suffit juste de la mettre dans la sorbetière. Elle va tourner et refroidir pendant environ 30 minutes. La préparation est versée. On va la laisser tourner ainsi environ 30 minutes. Le sorbet est prêt. On va pouvoir dresser et présenter ce dessert. Avec cette quantité de glace, vous pourrez former à peu près 3 boules pour 4 ramequins. Je passe au dressage de mon dessert. Quelques petits sablés pour décorer. Des petites fraises pour agrémenter. Et voilà, c'est prêt. Voilà, ce dessert est prêt. Il est très très simple à faire. Il est excellent, très naturel en plus. Je vous invite à le refaire. Si vous êtes intéressé par d'autres recettes de glace ou d'autres gourmandises en tout genre, je vous invite à me rejoindre sur mon blog plaisirdelavie.auvert-blog.com. À bientôt !